Di gërëm ñëpp ñi nga xamné surtout suñu mbokk musulman yi nga xamné
Voilà, le début du carême, c'est un rappel que nous devons entrer dans une phase de conversion. Et ce n'est pas seulement pour ces 40 jours, mais c'est pour toute la vie. Non, c'est pour toute l'année liturgique. Et donc, on nous demande de faire quoi? On nous demande de jeûner, de prier davantage et de vivre le monde, n'est-ce pas? Et le jeûne est important parce que ça nous permet de savoir que ce n'est pas seulement le corps qui doit guider notre marche, n'est-ce pas? On ne doit pas penser que c'est le corps qui doit nous imposer notre manière de penser, notre manière de vivre. Justement, l'amnon solo parce que l'outil up, c'est ce qui est essentiel. Mais l'outil up, c'est ce qui est essentiel. N'est-ce pas? Le corps qui est le corps qui est le yaram ok amna solo mais nekune suñu bëgg bëgg yaram mo ñu wara doxlo li ñu wara doxlo moy lan suñu xel n'est-ce pas suñu xel moy suñu xel bi nga xamne mom la yalla gëna soxla ci ñoom n'est-ce pas parce que yaram après buñu gëné aduna suñu yaram ci après day bolé souci mais suñu liñu seconde di l'âme c'est ça qui est important motax quand on jeûne. C'est vrai, c'est une privation du corps, mais c'est pour que l'âme puisse s'élever, n'est-ce pas? Pour que suñu ru mëna yag mëna jog yag fa yalla mëna yëkëti gëtam ba xol li nga xamné loolu la yalla di xaar ci ñu.